Dans l'armée, toute démoralisée, on marchait comme des prisonniers, sans armes et sans sac. Plus de discipline, plus d'humanité les uns pour les autres. Chacun marchait pour son compte. Le sentiment de l'humanité était éteint chez tous les hommes. On n'aurait pas tendu la main à son père, et cela se conçoit. Celui qui se serait baissé pour prêter secours à son semblable n'aurait pu se relever. Il fallait marcher droit et faire des grimaces pour empêcher que le nez et les oreilles ne se gelassent. Les hommes tombaient raides sur la route. Il faut avoir vu ces horreurs pour le croire.